On est prêt autant qu'on peut l'être. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 8 mars, 21h01. On va dire que je suis à l'heure. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu passer le tweet ou le titre du live ce soir, on va se faire la dernière étape de. À la dernière. Une étape supplémentaire dans mon projet de d'améliorer un petit peu le certains setups, certaines applications que j'ai déployées chez moi, notamment le Fresh RSS. On avait trouvé comment construire des images Docker et l'idée c'était de construire une version à jour de cette image-là. Maintenant, il faut qu'on la déploie. Bonsoir Fulbert, oh là là, ça fait un bail, j'espère que tu vas bien. Moi, à part le fait que je suis complètement explosé la première semaine que je viens de passer sur ma nouvelle mission, ça va. Je l'ai même pas vu passer en plus la semaine. Donc voilà. Globalement, on fait aller. Qu'est-ce que je voulais. Oui, avant d'attaquer ce sujet, je voulais parler quand même de ce qui va être en lien avec, de futurs lives. Donc j'ai parlé de mon nouveau NAS, je vais vous montrer vite fait la semaine dernière. J'ai commencé à m'en servir. Mais surtout, comme j'ai pas eu beaucoup de temps là, cette semaine, j'ai fait principalement du transfert de fichiers. C'est long. C'est super long, il y a beaucoup trop de trucs. Et il y a des choses qui vont être à refaire. Il y a des choses qui vont être à refaire, parce que typiquement, tous mes volumes Kubernetes, ils vont être à refaire. Donc ça, j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler. Et surtout, j'avais parlé que je voulais déployer des services supplémentaires comme Nextcloud ou Minayo. Pour la partie Minayo pour la partie stockage objet. À savoir que le setup actuel, il est déployé dans du Docker en ligne de commande, donc vraiment pas choupi, enfin pas transcendant, fait à la main, où je m'étais fait un script à la con. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer d'ailleurs. Alors je vais déjà commencer avant vite fait de vous le montrer. Parce que comme d'hab, je me prépare tellement bien, voilà, que je me mets la bonne taille de zoom. Ouf. Clac, il faut que je fasse ça. Je vais vous passer le bureau tout de suite. Transition. Voilà. Et. Pourquoi il a coupé le son? Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas compris le délire. Bon, c'est pas grave, c'est reparti. Alors, hop. Je fasse comme ça sur le NAS actuel. Donc. Voilà, j'ai fait un script vraiment basique où je fais un Docker run, etc. On va pas se mentir, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, c'est basique, je peux pas le faire autrement parce que en fait j'ai pas d'application intégrée au NAS. Et pour le nouveau, j'ai pas envie de le refaire à la main. Idéalement, si je peux faire un déploiement un peu automatisé, ça me va. Et en fouillant un petit peu sur ce que j'avais à disposition sur mon NAS, donc c'est un NAS Asus Store, donc c'est la gamme stockage de Asus, je suis tombé sur cet article. Utilisation d'un NAS avec Docker. Et là, dans la capture d'écran, je vois ça. Porter, je me dis, non, quand même pas. Porter, moi, je l'ai utilisé il y a très longtemps, quand j'étais encore sur du Docker Swarm, pour dire que ça remonte. Et donc, ils expliquent que, voilà, pour se faciliter la vie, pour les déploiements de containers, sur Docker, vous pouvez installer, bon, ils reviennent sur l'architecture, le registre, machin, etc. Donc, tout ça, on s'en fout.
Mais donc ils vous disent oui, on peut installer Docker sur tous les AS10 31 machin, donc moi ça me va. Et là, donc il dit il n'y a pas d'interface graphique, soit on peut faire les commandes Docker, ce que j'ai fait là avec mon ancien NAS. Et là il nous dit porte-nerf. Je dis oh. Donc je pense, et en plus pour l'installer, ben, il suffit de passer par la boutique App Central, donc la boutique d'application du NAS, et on peut l'installer comme ça, et après on peut gérer tous les comment, les déploiements via partenaire. Et normalement, si je vais au bout de la démarche, partenaire me comment? Portainer a une API sur, donc on peut interagir à distance avec lui parce que l'installation de Docker, je peux pas y toucher. Je sais pas comment elle est installée et on n'a aucun contrôle sur les services en ligne de commande ou presque dans Azure Store. Ça, c'est un gros point faible par rapport à d'autres potentiellement comme Synology. Mais Portainer, si je le déploie, lui, pour le coup, son port, il va être exposé, et donc je peux y accéder à distance, et donc on peut commander potentiellement à distance le déploiement d'applications dans Docker. Donc voilà. Donc je suis particulièrement intéressé par ce truc-là. Je verrai quand est-ce que je le ferai. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est de finir de la migration et de pouvoir éteindre l'ancien NAS et de mettre le nouveau à la place. Alors, par contre, j'ai comment. Il fait du bruit. Hein. Oh là là. Les disques durs Toshiba, merci. Hein. Ça gratte très fort. Ça fait beaucoup de bruit. Alors j'espère que quand il sera sous la télé, ça s'entendra moins, mais c'est quand même costaud. Et du coup, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il nous dit que le débit est pas bon là? Bon, c'est pas grave. Pourtant, moi de mon côté, il me dit quoi? Non, tout va bien. Trois images d'encodage, oui, on est bon dans les stats. Bon, je sais pas. Donc voilà, donc. Quand je me pencherai dessus, il y a des chances qu'on le f... il y a des chances que je le fasse en live, je pense. Qu'on s'amusera avec, en live. Je me renseignerai un petit peu avant quand même ce qu'il est possible de faire de manière automatisée avec Portainer, parce que sinon l'interface en elle-même elle restera intéressante, mais le fait de l'installer. Un peu plus proprement, ce sera quand même sympa. Hop. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et donc, le sujet de ce soir, on revient sur PHRSS. On avait enfin réussi à builder et pousser l'image. Alors, je ne me suis pas reconnecté à mon Gitty. Comme d'hab, je sais pas pourquoi j'en ai deux là. Ah oui, il y en a un avec le minuscule et un avec le majuscule, d'accord, pourquoi pas. Hop, hop. Alors, elle est où ma tasse de thé? Elle est là. Voilà. Et si je vais chercher l'utilisateur drone et que je vais dans les packages, je le ferai chez RSS Updated qu'on a fait il y a 2 semaines. Voilà, donc on l'a fait il y a 2 semaines, donc on voit qu'on reprend toutes les couches qui permettent de construire la version de FreshRSS, et nous on refait juste un apt update, apt upgrade avec un nettoyage de l'image à la fin pour. Pour avoir toute la base de. Parce que ça se base.
Potentiellement, ça se base sur du Debian. Et en fait, comme ils reconstruisent l'image que quand ils mettent une, quand ils publient une nouvelle version, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent pas l'image régulièrement de base, bah, au fur et à mesure, comme sur n'importe quel système d'exploitation, vous avez des montées de version, vous avez des correctifs de sécurité à apporter, etc. Et en l'occurrence, c'est le cas sur les paquets PHP. Apache et PHP qui sont fournis. Alors c'est soit une base Debian, soit une base. Je me souviens plus exactement. On peut aller vérifier, hein, de toute façon. Alors, non, bon, pitié, merci. C'est ça que je voulais faire. Hop. C'est une Debian 12. Voilà. Donc du coup, si... Oh. On est sur du PHP 8.2. Putain, c'est énervé quand même. Mais c'est bizarre ça. Alors là, c'est quoi? Non, là, c'est les labels. C'est du PHP 8.2 qu'on a dans... Ça me paraît surprenant quand même. Et ça, je vais pas l'avoir. Si, je vais l'avoir. 8.2, dev 12, U1. D'accord, ok. Bon, mon cerveau avait cramé. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, du coup. Du coup. Oui, alors, je peux sortir de là-dedans. Je me suis littéralement 10 minutes avant avant le début du live, j'ai vérifié que montée de version, mon installation de FreshRSS en 1.23 n'allait pas poser de problème. Donc voilà, j'ai fait la mise à jour, j'ai fait la montée de version du FreshRSS 10 minutes avant le live, comme d'habitude, hein, histoire de faire ça bien. Et donc. Et donc, bon, par chance, il a redémarré. Donc voilà, on va pouvoir maintenant se concentrer sur comment mettre à jour l'image. Il y a plusieurs possibilités. Si je retourne. Mince, j'ai fait quoi? Hop. Je crois qu'il avait gardé des trucs. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Ça, hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh la vache! Mais comment c'est possible? Ah oui, d'accord. Avoir plus gros que ça, sérieux? Ah oui, bah oui, voilà, ok. C'est mieux. Alors, la première possibilité, donc l'idée c'est qu'on build l'image, donc on va, de toute façon, il faut qu'on modifie déjà pour générer un tag. Alors, le plus simple, je pense, ça va être d'avoir un tag avec la date. Déjà pour commencer. Parce que là, je mets juste un numéro de version et ça va pas aller, hein, à moins de faire le truc encore plus dégueulasse et de se dire je garde le même tag à chaque fois. Mais je force le fait de redémarrer l'application pour qu'il remplace, pour qu'il retélécharge l'image et je modifie le déploiement pour qu'il me repoule l'image à chaque fois qu'il fait ça. C'est con. C'est pas forcément la meilleure pratique. Mais déjà. Après, quand il va falloir se pencher. Bonsoir. Bonsoir, Or, comment ça va? Passez une bonne semaine.
Je suis flingué, ça a été compliqué. Enfin compliqué, intensif, on va le dire comme ça. Je m'étais même pas rendu compte qu'on était déjà arrivé le vendredi soir. Oui, donc je disais, alors, donc voilà, la première étape, ça va être déjà de changer la façon dont on build pour arrêter de hardcoder le tag et d'en générer un. Qui soit unique et à jour à chaque fois avec l'image qu'on reconstruit. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? La première méthode, le tag, c'est le prérequis, c'est en 0. Et après, dans les possibilités qu'on a. On a le choix entre. Patcher le déploiement pour lui dire change l'image. Donc ça veut dire qu'on va directement intervenir dans Kubernetes pour dire au déploiement de mettre à jour l'image. Alors ça c'est rigolo, mais et c'est la méthode la plus simple, on va dire, entre guillemets, enfin, potentiellement la plus facile à faire. Là où ça devient casse-gueule, voire même pas du tout recommandé, c'est que bah, le problème, c'est que moi, dans ce dépôt-là, en fait, ici, j'ai mon manifeste d'origine avec la version de l'image, qui est hardcodée aussi. Donc on va dire que c'est pas dingue, hein? Parce que ça veut dire que moi, à ce moment-là, mon manifeste, une fois que j'aurai mis l'image à jour, elle est plus bonne. Parce que là, je continuerai d'appliquer l'image publique, alors que dans le cluster, je dis d'utiliser l'image qui est ici. Donc, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut patcher, mais à un moment donné, il faut quand même se garder l'information de je modifie le manifeste. Donc, ce qui va m'intéresser plus. Dans l'esprit, ça va être éventuellement ce que je fais. Ce que je fais actuellement, c'est-à-dire je modifie le manifeste, je l'applique, et après je commit. J'ai potentiellement envie de faire cette fois, dans le cadre de l'automatisation, le commit avant d'appliquer dans le cluster. Pourquoi? Parce que là, on est dans un mode où on a décidé d'utiliser drone pour déployer. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire à terme. Ce que j'ai envie de faire à terme pour les autres options, c'est pour les adorateurs de GitOps, c'est d'utiliser un outil comme à terme comme Argo CD ou Flux CD. Qui vont aller surveiller le dépôt dans lequel je vais mettre à jour le manifeste et appliquer le déploiement pour moi à terme. Donc sans passer par drone, c'est encore un truc indépendant. Et pour différentes raisons, Argo CD me plaît un petit peu mieux, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, faudrait que je me re-renseigne sur les deux. Mais les deux ont à peu près la même philosophie, c'est-à-dire que vous les déployez dans le cluster. Ils ont des permissions pour intervenir sur vos applications et ils vont aller surveiller ce qu'on appelle un référentiel, donc le dépôt Git. Et quand ils vont voir des changements dedans, ils vont appliquer les changements pour que ce qui se passe dans le cluster reflète ce qui est dans le dépôt Git. À votre place, sans déclencher un pipeline dans GitLab, dans votre Giti, votre GitLab, dans Drone, etc. La chose, enfin le. Le point faible de ce que j'ai actuellement, alors déjà, c'est que tous mes déploiements d'applications sont dans le même dépôt. Ça, c'est pas fou, donc ça veut dire qu'il va falloir à terme que je split ce que je fais. Et surtout,
Et surtout, bah, typiquement, dans le cadre de Fresh RSS, je suis resté sur mes manifestes à l'ancienne. Et honnêtement, on va dire que ça me plaît pas du tout, mais ça me plaît pas du tout. En fait, voilà. Idéalement, ne serait-ce que pour mieux gérer tout ce qui est rollback et compagnie, il me faudrait un chart Helm, en fait, tout simplement. Alors, je me souviens plus à quelle occasion on avait tenté. C'était pas pour drone. Non, pour drone, j'avais utilisé. Pour drone, j'avais utilisé le chart qui est fourni. Je ne sais plus pour quel. J'avais pas fait de. Non, j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore pour l'instant. Je pensais j'avais eu l'occasion de faire un. Comment? De faire un chart from scratch, mais manifestement, c'est pas le cas. Bon, bref, l'idée, bah, pareil, ça pourrait être une autre occasion de bosser. C'est de. Plutôt que d'avoir ces manifestes-là en dur, de créer un chart Helm qui va me permettre de gérer en tant que package et pas juste en tant que liste de manifestes comme ça à l'arrache. Dis donc, je sais plus écrire. Et du coup, voilà. Et avec le chart Helm, ce sera plus facile de se dire j'ai confiance dans mes déploiements dans le cluster. Donc des trucs à la main. Parce que là, honnêtement, puis c'est très basique, hein, c'est-à-dire que dans le déploiement, ah si j'ai quand même de la liveness probe, d'accord, bon, ça va. Ça va, ça va. Ah, c'est pour ça que ça met du temps. Ok, je dis 30 secondes pour qu'il soit debout. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Ok, je l'ai mis là. En fait, avec les manifestes comme ça à la dure, c'est je mets à jour le manifeste, j'applique. Ok. Mais une fois que c'est appliqué, on nous rend la main, et si jamais ça passe pas, bah ça reste en l'état, ça va rester pété jusqu'à ce que j'intervienne. Elle me permet de s'assurer que le déploiement va au bout. Si le déploiement va pas au bout, il revient en arrière, et ce sera beaucoup mieux dans la mesure où on automatise des choses, ce sera quand même plus intéressant à faire. Là, pour ce soir, je pense qu'on va le faire comme ça, c'est-à-dire que je vais alors revenir là-dessus. On va faire la deuxième méthode, c'est-à-dire commit updated. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'écrire en anglais. J'écris à moitié en anglais, à moitié en français. C'est incroyable, hein? C'est. Alors, hop. On va le faire comme ça. Apache Shell Deployment. Ensuite, commit et manifest mis à jour. Plus apply. Comme ça, je m'assure que. Et bon, en fait, bon, ça, en fait, le troisième, ce sera pour plus tard. Convertir en package Helm. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que fait, convertir en package Helm fait que je vais pouvoir créer un fichier de variable dans lequel je vais avoir la version de l'image et ce sera plus facile. Parce que là, je vais tenter de faire une connerie qui est de mettre à jour un fichier texte dans lequel j'ai un tag à la con. Et le problème, c'est qu'il va pas y avoir de bonne méthode pour le faire. Parce que là, en gros, il va falloir que je remplace cette ligne-là dans le fichier. Et je suis moyennement confiant là-dedans. Je suis très moyennement confiant. Et en plus, au niveau du. Alors oui, donc c'est pas ça, mais c'est au niveau du dépôt Fresh RSS. Dans le.
dans le pipeline, je sais même pas comment on va faire cette partie de Git. Ça bouge pas, mais ça, il va falloir le... C'est ça qu'il faut que je trouve comment changer. Parce que là, c'est en dur. Donc là, il va falloir que je trouve comment faire pour le variabiliser là-dedans. C'est-à-dire pour le générer et le passer en paramètre de... Et je sais pas si je peux le faire depuis un truc d'environnement. Donc on va commencer par ça. De toute façon, on va commencer par modifier la tâche de build pour avoir le tag non pas hardcodé, mais dynamique. Comme ça, on va pouvoir on va le relancer, puis on va voir ce qui se passe. Du coup, drone, comment on peut faire dynamique, environnement variable. D'habitude, hein, enfin, on va faire de la recherche, voir ce que ça donne. Alors, dans la référence, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est quoi? Ça, c'est toutes les variables built-in. D'accord. Ok. Drone. Ok. En vrai, hein, si on est furieux, on peut mettre directement le nom du commit en suffixe de l'image. J'irai peut-être pas jusque-là, ça me paraît un peu énervé, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est d'utiliser drone commit pour dire de ne pas être emmerdé. Je sais pas s'il y a moyen de faire plus. On n'a pas une version genre un drone short, drone commit short, un truc comme ça. Drone commit ref, c'est quoi? Ref headmaster, tag référence, ouais, non, ça m'intéresse pas. Drone commit SHA, on va voir le truc en entier, ouais. Author avatar, non, merci. Ouais, non, hein, je pense que ça va être la seule chose qu'on a. Hein. Alors, c'est quoi drone semver, c'est quoi? If the git tag is a valid semantic version string, the system provides the tag as semver string. Ah oui, donc non. Non, non, non. Step number, step non, stage variante non plus. Drone tag, c'est quoi? Tag for the current running build. Oui, bah non, c'est pareil, je vais pas forcément taguer à chaque fois. Ouais, en vrai, on peut vraiment faire le flemmard plutôt que de dire. Encore que j'ai vraiment envie de chercher si je peux pas générer la variable directement. Environnement go machin, ouais. Ça c'est du dur. From secret, non. Common problème. Pre-processing before YAML parsed. Ok. Ah, d'accord. Si on met un double dollar, il. Ok. Environnement, on peut faire un dollar home slash machin. D'accord. Ok. Ouais, mais ça, je m'en fous. Substitution. Qu'est-ce que c'est ça? Aha! Alors. Expand, substitute, repository and build metadata to facilitate. D'accord. String opération. Manipulate string values, donc ouais. Là, on peut faire de la substitution. C'est comme du bash, hein, j'ai l'impression. Ah oh ouais, clairement, hein. Ça ressemble à de la substitution de bash. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que on n'a quand même pas de méthode a priori pour faire une sorte de calcul. Le problème, c'est comme j'utilise le plugin Kaniko. Là, comme j'utilise le plugin Kaniko,
Je peux pas, je sais pas, comme un script bash pur où je peux juste dire fais-moi la variable d'environnement, enfin, créer la variable en calcule la variable automatiquement. Donc en vrai, pas j'arrive à mettre la date. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, to set pipeline en var to result of CLI output. Ah! Ok. Ça date de quand? Ça date d'il y a 2 ans, donc potentiellement c'est encore valide. Donc là, oui, il prend une erreur sec into machin, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Step Docker, printf echo fetching Google. PluginScript.sh, d'accord. Alors ça c'est le pipeline Docker, ouais. From drones Docker pipeline documentation. Donc ça veut dire full résultat dans un fichier. Ça m'intéresse pas. Ah! Non, le mec le propose, mais je... Je sais pas si ça passe. Puis surtout derrière, de toute façon, je fais pas une commande dans mon job. Alors du coup, je sais pas trop si... Alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tac, tac, tac. Ah ouais, donc il prend le commit en fait. Hein. Ah oui, en plus il fait un short. Ah bon, en vrai, ouais, pourquoi pas. Hein. Bah. Alors j'ai pas besoin du drone branch, mais pour le suffixe du tag, en vrai, autant que je fasse ça, quoi. Parce qu'en vrai, la première étape. Alors, je vais peut-être. Qu'est-ce que. Alors, hop. Ça, je vais le mettre de côté. J'ai que 2 fenêtres, c'est ça? Ouais. Ça, c'est la configuration, donc on s'en fout. Alors, open récent. Open récent. Fresh RSS. Hop, il me l'a mis là. Voilà. En fait, dans environnement, déjà, j'ai envie. Dans le Dockerfile, je fais quoi? Je mets ça. 1.23.1. Ah ouais, mais le problème c'est que Canico. Je sais pas s'il passe la variable d'environnement au. Faut que je reprenne la doc du plugin. Ah, c'est build arg, il faut que je fasse. Vérifier si la doc elle est un peu moins. Alors ça c'est pour exécuter le plugin, c'est ça? Plugin auto tag, plugin username, plugin password. Ça parle pas des build args. C'est vachement pratique.
Ça c'est pour Gobil, ça c'est quoi? Docker machin, Gobil, donc c'est pareil. Ça c'est pour scripter, alors ça va être quoi? C'est dans CMD. Kaniko Docker, ça va être quoi? Ça va être ça. Compliqué, hein. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pas la même. D'accord, génial. C'est pas la même doc, c'est un bonheur. Ouais, bon, on va laisser. Je vais laisser le. Qu'est-ce que je fais? Je fais des conneries. Hop, voilà, je m'éparpille. Parce que là, en fait, j'avais dans l'idée d'essayer de centraliser la version de FreshRSS ici dans une variable et après de dire je prends la variable là et je mets ici la référence. Ouais, bon, pour ce soir, je vais pas le faire. On va se calmer, on va arrêter les conneries. Je testerai ça plus tard. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et sa substitution au gars, elle est où? Où est-ce que j'avais lu le. C'est ça, voilà. En fait, il prend les 8 premiers caractères de l'empreinte du commit. Moi, ça me va très bien. Hop. On fait ça. Je vais faire ça. Je fais un point. Un point. Tiret. Voilà. Et le dollar machin. Et là, normalement, ça devrait passer. En vrai, on va déjà commit ça, puis on va voir ce qui se dit. Hein. Je suis où? Je suis là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai des gros doigts ce soir, c'est terrible. Hop. Et on va pousser ça. Et on va voir si ça le chatouille ou pas. Effectivement, ça l'a chatouillé. Alors pour la grosse blague, hein, pendant qu'il est en train de bricoler, ce truc du patcher le déploiement en direct dans le cluster sans aller mettre à jour les manifestes de l'autre côté, ça, je l'ai déjà vu en prod. Voilà. Je dis ça comme ça. J'ai. Ok, parfait. Donc il a pris CF71E5A. Et si je fais ça, est-ce que j'ai la référence de commit? Bon, déjà, j'ai le truc à jour. Ah, il m'affiche pas la référence de commit là. C'est bizarre. Mais dans History, c'est pas grave, CF71EC5A. Parfait, d'accord. Et là, il me dit, je suis en train de builder. D'accord. Là, il est en train de mouliner. Et là, il pousse l'image. Donc, il a fini. Il a fini. Il a fini. Si je vais dans le package, publier. Et là, j'ai deux tags. Parfait. Qu'est-ce qu'il dit? Cette image-là, elle fait 100 mégas. Ça me va très bien. Ça colle.
On est bon. Déjà, j'ai réussi à avoir un tag unique qui me va très bien. Maintenant, toujours dans ce même pipeline, il va falloir qu'on se préoccupe. De déployer dans le cluster. Alors non, on avait dit mettre à jour le manifeste. Et là, ça va être la blague. Est-ce qu'on a un plugin Git qui nous simplifierait la vie? Oui. Très drôle. Mais à part pour faire un clone, ça dit rien. Le problème, c'est où est-ce qu'il va le mettre, ce truc-là? Ce contexte-là, ça s'explique du dépôt dans lequel on est. Et j'ai pas envie de déplacer les. Encore que on pourrait, hein. Mais. Parce que. On pourrait, mais le problème, c'est que si je mets tout dans le même dépôt. Et que je lui dis, mets-moi les manifestes alors qu'il est en train de s'exécuter. Bah comme il aura fait un nouveau commit, il va relancer un nouveau truc et en fait il va boucler en permanence. Donc j'arrive à foutre des conditions pour lui dire. Non, je vais pas toucher au truc, je vais pas m'emmerder. Alors, je vais reprendre ce que j'avais tenté de faire avec les volumes, par contre. Ce qui me semble que j'avais fait ça. C'est ça. Et j'avais voulu tenter l'authentification canico. C'était pas passé. Enfin, c'était l'image qui posait problème. C'est pour ça qu'on est passé par le plugin. C'est plus compliqué que ce que je pensais là. Le problème, c'est que là, le plugin de Git, il me fait quoi? Image drone Git, d'accord. Jusque-là, pas de souci. La profondeur, on s'en fout. Le récursif, on s'en fout. Le skip verify, on s'en fout. Le tag, on s'en fout. Juste, on sait pas où il clone en fait. C'est nul ça. Ça m'intéresse pas du tout en fait ce plugin là. Et on a un drone workspace. Alors pourquoi je peux pas le mettre là en paramètre? Ou alors il faut le mettre en. Clone commit, c'est quoi ça? Là je lui dis c'est sur master chat. Donc là, si je fais ça. Je mettrais ça dans slash drone slash git. Faut
quand même que je lui donne un volume parce que sinon je vais être dans la merde. Faut quand même que je lui donne un volume. On va mettre. Hop, je vais faire un truc comme ça. On va définir le volume à la fin. Ça va être quoi? Ça va être. K-vitesse de repo. Et après, derrière. Hop, on va mettre comme ça. On va l'appeler comme ça à chaque fois. Hop. Et on va le foutre. K-vitesse. Et ensuite, on va passer tous les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça, on peut fermer. Ça, j'ai pas besoin. Ça, je ferme aussi. Plugin Git, on a besoin de quoi du coup? Ah oui, non, mais là en fait il nous fait ça, mais on sait même pas lui donner un. On sait même pas lui donner un remote URL. Donc en fait il faut que je lui passe. D'accord. Du coup. Donc drone remote URL, ça ce sera la variable. Ensuite on a quoi? Drone workspace. Donc du coup on a dit slash drone slash k-vitesse repo. C'est quoi comme branche sur notre dépôt là? Voilà, il est là. C'est master. Ok. Du coup, on va faire ça. Drone commit branch. Hop. 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 Le clone qui a vitesse repo. Et du coup, une fois que je fais ça, ah, j'ai l'environnement, mais il faut peut-être que je refoute l'image du coup. Ah, c'est drone slash init, c'est ça. C'est ça. Les settings optionnel. Bah, si tout est optionnel, c'est parfait. Donc normalement, une fois qu'on a fait ça, ah oui, alors du coup, il me faut quand même le. Normalement, ça va être ça. Et en fonction des... Ah oui, alors, du coup, il faut que je rajoute collaborateur. Drone. Hop. Et... Ouais, je lui mets juste du write. Je vais pas le mettre en administrateur, faut pas déconner. Parce que pour le coup, il n'est pas question de lui dire t'as le droit d'aller écrire dans les propriétés du dépôt pour me dire ce que t'as fait comme pipeline. Tu le... Ok, donc ça marche. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Pas qu'on se perde trop. Du coup, tac, 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 qui s'appelle comme ça, ensuite.
Bah, en vrai, je vais déjà tenter si le clone marche, parce que ça sert à rien d'aller trop loin si ça marche pas. Oh. Ok, bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Unmarshal Error, ligne 29. Qu'est-ce que j'ai fait, ligne 29? Il n'a pas aimé l'environnement et c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est ça? Oui, bah oui, bah là, donc du coup j'ai encore fait des erreurs de... Hop. Voilà. Hop, tiret M, X, env, contact. Ah, il a sa gueule tout de suite, non? Non, ça continue de gueuler, hein. Ok. Mais je vais pas pousser. Ok. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, bon. Alors, ah bon, bah voilà, là il a l'air d'être parti. Alors, bon, il refait le build and push du coup. C'est celui-là qui va m'intéresser quand il aura fini. Allez. Oh là 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 là! Alors, il y a un truc qui lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il dit? Clone with zero retry, initialize empty git repository in drop machin. Donc là, il crée un repo. Dans le drone qui a vitesse, ensuite il fait un fetch headmaster, il nous donne bien, donc là j'ai bien le from origin. Là je sais pas ce qu'il cherche, il cherche à faire une nouvelle branche avec origin master. Fatal référence is not a tree. Et ouais, parce que le problème c'est que là il cherche à récupérer le. Non, ça c'est le truc comme ça, mais nous on fait quoi? 9C25 machin. Et c'est ce qu'il cherche à récupérer. Ah merde! Qu'est-ce qu'il tente de faire là? Il tente de cloner avec la référence du dépôt d'origine. Ah ouais, oh, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il faudrait que je force la suppression de du commit SHA là, faudrait que je le vire.
Il faudrait que je l'éclate pour qu'il arrête de me faire le... Ce qu'il y a là, le truc, c'est qu'en fait, c'est quoi? Du coup, il fait quoi, là? Ça n'a rien à voir, ça. Là, il va dans Drone Workspace. Drone SSH Key. Ah, et putain, en fait, il a plein de variables possibles, hein, le Gaïa. Commit Author Name, machin, on s'en fout. Build Event. Enfin, on s'en fout, c'est des trucs qu'il faut mettre. Commit Ref, Clone Type Tag, Clone Type Pull Request. D'accord. Sinon, il fait un git clone, clone commit. Mais le clone commit, il le fait où? Git clone retry, donc ça c'est la fonction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Mais alors du coup il fait quoi là? Non, clone, c'est peut-être clone commit qu'il faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Remote add origin drone remote ori. Ok. Commit branch. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que... Il essaye de... Le drone commit SHA, comme il est défini par défaut dans le pipeline, il a la référence du dépôt fresh RSS, donc du coup ça va pas. Du coup ça va pas. Alors est-ce que je... Dans ce cas-là, je m'emmerde pas et je fais des commandes... Plutôt que d'utiliser le plugin, je fais une commande classique, quoi, tout simplement. Où je le... J'exécute moi-même la commande git clone du dépôt et comme ça après je peux cède directement le fichier où je rajoute ma variable Oui, là, il l'a même pas exécuté. Ouais, alors du coup, c'est quoi déjà là? Faut que je fasse commands. Ok, c'est commands. Je vais passer par là. On va laisser tomber le plugin parce que ça me paraît trop chiant. Je vais garder le volume. Je vais garder le volume. Je vais virer l'image parce que potentiellement on peut s'en passer. Je vais saquer ça. Et du coup, je vais passer par commande et après c'est... C'est ça, faut faire un tiret. Qu'est-ce qu'il fait là? Merde. Oh,
Slash drone, slash cavité ce machin. Git clone. J'aurais peut-être pas dû virer tout l'environnement tout de suite. Hop. Paf. C'est là où il me faudrait une vraie variable complète en fait dans le truc. Je peux mettre un environnement là, je crois. Je mets updated tag de point. Je vais... c'est ça, hein? Oui, non, j'ai plus besoin de ça. Hop, je vais faire ça. Ici, je mets le dollar de. Wow. Updated tag. Voilà, comme ça, je vais pouvoir le récupérer là. Du coup, je vais faire sed-i, je crois. Slash s image de point étoile. Slash image de point espace. Et donc là, il faut que je mette ça. Donc c'est git.machin. Hop. Deux points. Dollar. De. Updated. Tag. Oh, ça va être chaud, ça. À mon avis, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut que je le teste d'abord. Je vais le tester d'abord en local, mais je sens que ça va pas passer. Je me connais. C'est le genre de connerie à chaque fois. Kubernetes Platform, Kubernetes, Fresh RSS, Deployment point. Je fasse ça, image de point, point étoile, ouais. Pour lui dire, tu me prends tout ce qu'il y a après. Image de point espace. Deux points. Alors, je vais faire ça. Hop, je vais me le mettre de côté. Oui, bah oui. Évidemment. Bon, alors, ça a complètement merdé. Hop. Je cherche le image de point. Il n'a pas aimé le deux points, c'est ça?
je fasse ça. Ah oui! Oui, bah oui, évidemment. Ça m'apprendra à faire ce genre de conneries. Du coup, j'ai peut-être pas besoin de. La non-option to S. Non, c'est le même truc. Trente-neuf. Attends, il y a un délire. Alors, il faut que je. C'est ça qui lui passe. Ah non, pourtant c'est plus loin ça. Si je fais ça. Ah! Je le fasse comme ça? Non. Non, il y a un truc dans l'expression qui lui va pas, donc c'est le. Je me sers tellement pas souvent de cède, sérieux. Faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Slash 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 avec le S, tiret I by default. Ok, là avec le tiret I c'est dans le fichier, pas de souci. Ça c'est les trucs de base, mais alors après si on commence à faire des. Non, balèque. Ça c'est les. On va le faire comme ça, si on cherche ça. Ouais, donc c'est bien ça, je suis censé être mettre, faire un point étoile. Mais à tous les coups, ça va être le 2 points qui lui plaît pas, là, ici, en fait. Je le fasse comme ça. Ah oui, c'était en ligne de commande, alors du coup, reviens là. Je fasse ça comme ça, c'est ce que j'avais pensé, mais manifestement, ça lui a pas plu. Non, ça lui plaît pas. Non-option to S. Ou alors c'est tous les points qu'il faut que je. Alors il a vraiment pas aimé le copier-coller, il faut que je retape tout. Ah oui, non mais là, c'est de tirer I. S slash. On va retaper tout, hein. Anti-slash de point, point, étoile. Toile, slash. Image de point, c'est boss.
Non, non, d'accord, on est bien d'accord. Oh bah merde. Puis alors là, je suis sûr que s'il y a un barbu qui regarde, il va me dire, mais oui, c'est évident, t'es un connard. Bah ouais, je suis un gros connard. Voilà. Suffisait que je le dise, hein. Suffisait que je le dise, je suis... Putain, l'enfer. Et donc là, j'ai mon truc qui est bien updaté à... D'accord. Donc maintenant, si je repars de mon fichier original, qu'au lieu de mettre le truc hardcodé, je mette mon updated tag, est-ce que ça va passer? Alors, non, pitié. Merde! Ah! Comment je peux lui dire? Hop. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un truc comme ça à faire? Ouais, c'est ce que j'ai tenté, mais S slash root slash machin. Je mette un anti-slash, d'accord. Il faut. Merde, il faut que j'échappe mon. Si j'échappe ça, a priori. Ah! Non. Bon. Donc non. Alors. Alors. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Ah, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut me faire? Z S. Oula. Il faudrait que je le fasse. Hop. En fait, il faudrait que je le rajoute comme ça. Donc, c'est pas avec un anti-slash, ce serait avec un guillemet double. Non, ça le fait pas. Donc, il faudrait que je. Alors en fait apparemment je suis pas obligé de faire un truc à la con comme ça. Oula. Non, mais il faut se calmer, les gars.
Sérieux, c'est si compliqué que ça? Ah non, avec les doubles guillemets, lui, il arrive à le faire. D'accord, donc en fait, quand je le fasse comme ça, tout simplement. Et là, ça marche. Merde, évidemment. Ça marcherait simplement si je le faisais comme ça. J'ai pas forcément besoin du G parce que de toute façon j'ai que la première à faire. Ah oui, non, je suis obligé de faire un... D'accord. Si je fais ça, d'accord. Tout simplement! J'espère que je vais y arriver. Hein. Alors du coup, je peux faire ça comme ça. Hop. Je fais ça. Et... En vrai, je peux faire ça. De toute façon derrière en vrai alors ça, je fais toutes les commandes dans le même truc. Ouais, je fais update qualité manifest. On va le faire comme ça. Je vais virer la partie environnement parce que j'ai pas envie d'écraser quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, le commit. Oh la vache. Donc là, c'est du gros diff. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais te faire? Oui. On a le choix, hein. On peut faire per pipeline. Oui, c'est ça, on peut le faire là. On est d'accord. On peut le faire de manière globale. Et du coup, je me suis pas vautré. J'ai bien fait le. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas. Il faut pas que je mette de. Ok. On va déjà vérifier qu'on arrive à modifier, à cloner et à modifier le fichier. On va aller étape par étape. Hop, git add drone, git commit. Hop. On n'est pas dans le même dépôt, c'est trop chiant d'utiliser le plugin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh! Hop là! Unmarshall, lint 36, unmarshall map into string. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pas aimer le fait que je mette des guillemets, c'est ça? Ah, le problème, c'est que si je mets pas de guillemets, ça va être Bagdad aussi.
Ça, hein, c'est ligne 36, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Oh merde. Ouais, non, ton problème, il est que tu veux pas que j'utilise des guillemets dans le truc. Décidément. Non, on s'en fout de ça. Non, ça, c'est autre chose. Oh, au moins on a de la bonne musique. C'est chiant. Quoi comme musique ça? D'accord. Ah, ok. Teenage Mutant Ninja Turtle. Alors. Donc là, il est relou là. Là, il est relou. Comment je peux... Le problème, c'est que si je tente de faire ça... Il va pas apprécier. Eh ben heureusement que... Hop. Oh, ça va être la même, hein. Tu vas me faire la même, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'était trop simple, hein. C'était trop simple. Le problème, c'est qu'il faut que je lui paye, il faut que je mette le... Je peux pas m'amuser à faire le... Oh là, c'est quoi?
Ouais, c'est ça, et donc là, c'est utiliser des double quotes ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai que je peux faire ça aussi pour me simplifier la vie avec les slash. Virgule. Hop. Comme ça, j'ai pas besoin de m'emmerder. Hop. Ça change rien. Alors, ceci dit, tu as mis de la musique, on ne l'entend pas. Bah, ça fait très longtemps qu'il y a de la musique. Alors après, faut peut-être que je monte le volume. Ça, c'est pas impossible. Mais de mémoire, on l'entend la musique normalement. Je balance tout le son sur toutes les pistes. Et là, tu vas me dire, en fait, dans le stream, j'envoie pas la bonne piste. Streaming, piste audio, piste 1, non, donc c'est bon. Piste VOD 1, non, c'est pareil, donc tout va bien. Alors, je peux tenter de mettre le volume plus fort, mais... Là, j'ai doublé le volume. Voilà. Le problème, c'est que j'ai pas le... Ok, d'accord. Bon, par contre, moi, il va falloir que je trouve un moyen de me baisser le volume de ça parce que... c'est le... Est-ce que... Ça va être quoi, le volume du monitoring ou... La musique, j'ai monitoring est sorti. Ouais, je sais pas si j'ai un moyen de me... ça va être dans avancé, peut-être quand je sélectionne le casque ou un truc comme ça, pour le périphérique de monitoring, je sais plus. Périphérique auxiliaire. Non, c'est pas ça. Je peux pas baisser... Non, il faudra que je trouve une solution pour me baisser le... Là, moi, j'ai la musique plus fort, pour le coup. Encore plus fort. Mais merci, parce que du coup, moi, si personne me le dit, je fais pas attention, mais... voilà. J'ai fait une modification la semaine dernière, après un échange sur Twitter. Non, non, c'est pas trop fort, c'est plus fort. Ça va, c'est pas la mort. C'est vraiment pas la mort, mais ouais, donc j'ai changé la playlist la semaine dernière pour la... Parce qu'avant, je mettais les sessions de Riot Games, c'était les trois mêmes morceaux depuis un an qui tournaient en boucle. Il était temps que je change un petit peu, et puis là, à l'occasion de Speedon, il y a un mec qui faisait une compi... qui... compte Twitter de Résonance, qui fait des compilations comme ça, et du coup j'ai récupéré l'intégralité des compilations qu'il a fait à l'occasion de Speedon, où en fait il reverse la thune des ventes... à l'événement. Et je lui ai demandé si c'était stream safe, et il m'a dit c'est stream safe. Et bah allons-y. Du coup j'ai claqué mon petit billet pour acheter tous les volumes, et puis je les ai bourrés là dans la playlist de ma source musique.
Puis après, bah, comment trouver, j'ai rajouté les morceaux en bas. Le seul truc qu'il n'y a pas encore où il faudrait que j'envoie, c'est le lien vers la page Bandcamp, en fait. Il faut que je ressorte mon bot, mon script de bot pour envoyer le truc à intervalles réguliers. Aussi que je pense à l'intégrer dans le modèle des liens sur le replay YouTube. Enfin voilà. Bon, ça va pas me corriger mon problème, moi. Hop. En tout cas, merci pour l'info, hein, parce que j'avoue que je fais surtout attention sur le laptop à ce que tout ce qui est texte, etc., soit lisible, mais j'avoue que je fais pas trop attention à. J'ai pas fait attention au son. Et le truc qui est trompeur, c'est que comme j'utilise mon casque, moi, pour moi, c'est super audible. Et en plus, comme je l'ai dans le retour d'OBS, en fait, le son est beaucoup plus fort. Ça, c'est encore autre chose. Moi. Ah, pas de bol, ils ont pété complètement le truc. Génial. Knowledge based used for articles by Arnes Expert. Donc les mecs avant la doc était publique, maintenant elle l'est plus. C'est un bonheur. Ah, ou alors c'est le deux points qui lui casse les couilles. Ah non, mais je peux rien faire, moi, à un moment donné. Ah mais non, je suis con, je l'ai pas échappé là. Punaise. À tous les coups, c'est ça, quoi. Oui, il fait pas chier avec le. Hop. Hop, on va mettre un truc comme ça. Il a eu à me dire toujours pas, cet enfoiré. C'est encore la même, hein. C'est toujours la merde. Hey, je sens que ça va faire longtemps qu'on va pas avoir eu un fail de. Où je vais m'arrêter sur un échec. En fait, j'ai l'impression qu'il aime pas les deux points et du coup même si je les échappe il me casse les burnes. Pourtant le git clone y passe donc c'est pas ça je pense. C'est ça qui est chelou.
Et là, il me parle d'un map, c'est pour ça que je pense que... Butez-moi, hein! Je les oublie partout, hein! Mais le fait est que là, dans la syntaxe, là, il me le met en... Il me le met comme ça, en fait. Mais il devrait pas. J'en peux plus, hein. Ah, la même, toujours, hein. Si je remets des slash, peut-être que non, je sais pas. Pas l'impression que ça... bordel de merde. Là, j'avoue. Putain, si ça va être ça. Dans le genre, ce serait un truc aussi affreux que ça. J'en peux plus là, c'est pas possible. Ah ouais, alors là, il lui faut une image. Il lui faut une image. Il lui faut une image. Qu'est-ce qu'on va prendre comme image? Ah oui, bah du coup, il nous faut une image où on a du Git, où on a du shell. Ah merde. Ah oui, du coup, vu que j'en ai pas spé, ouais, j'en ai pas spécifié de base. C'est quoi ces mixeries.dev? Je me souviens plus. J'en ai parlé il y a des mois de ce truc-là. Ouais, c'est ça. Mixeries.dev. Bon, on va faire ça, on va faire un slash. Shell slash git. A priori, c'est tout ce qu'on a besoin hein, dans cette étape-là. Ouais, comme ça, je vais pas m'emmerder. J'ai peur du résultat. Ça m'emmerde. Avec tous ces échappes, j'ai peur qu'ils me foutent des anti-slash dans le manifeste et
Et ça me fait chier. Ou alors en fait, il y aurait moyen de faire les trucs dégueulasses qu'ils montraient tout à l'heure. Hein, c'était des trucs avec des... Tu mets des accolades comme ça et puis des guillemets comme ça. Éventuellement, il faudrait que je le fasse comme ça, histoire de ne plus avoir de problème avec avec le deux points. Mais, on dirait que ça me fait chier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il lance le step. Ah oui, du coup, faut qu'il pull l'image. Ouais, c'est ça. Ouf. Ah, ça passe pas. Ça ne passe pas. Il est en train de restart. Donc il en veut pas. Et merde! Ah bah oui. Je le sais en plus ce truc-là. Comment j'ai fait le... Comment j'avais fait pour. C'était pour le din host. Où est-ce que j'avais mis l'image? Slash arme 64. Putain, oui, ok. Bon. Oh là 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 là. Dans drone, c'est le cas. Ensuite, là, il fait le build and push. Ensuite, le placeholder, il va le remplacer par l'image quand il y aura besoin. On va laisser le faire le boulot. Hop. Pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer tous mes vieux tags. Je suis où? Je suis là. Hop, c'est ça. Settings. Bon, après, le concept, c'est que normalement, ça prend pas tant de place que ça, mais... Je vais éviter d'éclater tout ce que j'ai fait. Enfin, d'éclater mon stockage. Déjà, hein. Qu'est-ce qu'il... Non mais... Ah! Ah, stream close là. Pourquoi stream close? Là, normalement, t'es plus sur un...
Ok, d'accord. Non, bah non, pourtant. Ouais, il me fait du restart, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait là. Erreur. Erreur de quoi? Pourquoi erreur? Erreur image pool. Ok, donc il a pas aimé le. Fail de tout. Résolve référence. Oh, il rajoute le latest au bout. Ah, ok, bon. Putain, il est relou. Ou alors ça marche pas. Ça a pas marché en fait. Je sais pas pourquoi il m'a. Non, c'est censé marcher pourtant, ça. C'est qui est chiant. Après, là, il dit completed, error. Pourtant. Si je le tente en local. Si je fais ça. Ma gueule! Alors ça marchera pas, hein, parce que. Mais. On va voir s'il me fait la même ou pas. C'est là qu'à tous les coups, en fait, j'ai un problème en dessous et. Que là, l'erreur que j'ai eue, c'était fail le to do request context cancel. Et là, il marche. Et là, ça marche.
J'ai pas la complétion QCTL. Alors je tente un retry du... Ah oui, mais là, lui, il est pas, hein, il a pas fini, lui. D'accord. Ah oui, parce que l'autre, il lui dit « Non, non, c'est bon, j'ai fini », alors qu'en fait... Oui, c'est-à-dire que là, il a tenté de me faire des trucs. Non, ça c'est le din host. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. En fait, il est, c'est un pod qui dépend d'aucun label. IO drone, drone build status, succès, hein. Pas si succès que ça, hein. Comment il peut le marquer completed alors que le truc il est en erreur là? Ça, je comprends pas, en fait. Si je fais un describe. Container, drone machin, drone git, ça, c'est bon. Ensuite. Canico, terminated, c'est bon. Oh putain, à tous les coups. Il y a ça aussi. Non, tout à l'heure on avait eu un... Tout à l'heure on avait eu le droit à un... On avait eu le droit à l'exec format error, donc c'est qu'il avait bien fini par l'avoir. Ah bah il a fini par me le buter. Ok, donc du coup il a fini par... Timely manner, ok, d'accord. Et ben, vas-y, j'ai pas un retry ou un truc comme ça. Restart. Voilà. Ah, il refait tout par contre. Tant pis. Là, le git clone c'est fait, ensuite il passe au build and push. En fait du coup dans le pod il doit déjà déclarer automatiquement les volumes, c'est ça? Empty dir, ok, donc ça doit être moi. Et après on a un metadata notation, d'accord, donc ça c'est encore autre chose. Le cube API access, alors ça c'est encore autre chose. Ouais, voilà, le drone SRC il est créé automatiquement, d'accord. En fait, il crée déjà automatiquement le volume. Et après on a du slash run, slash drone en fait, dedans aussi on pourrait faire des choses, d'accord. Oui bon là il est encore en train de...
Putain, quel enfer. Comment? Il est sérieux. Il est dispo, c'est au moins dans le... Où est-ce que j'ai la liste des... Là-dedans que je vais voir, TVL Monorepo, Layers. Non, ça on s'en fout. Layers.go, donc c'est pas ça. Storage, script, repair, non. Manifest. Comment je sais quels packages sont dispo? Je me souviens plus. Nix Package Manager, ouais. D'accord, usage, Docker pool, each package segment correspond either to a key in the Nix package set. Or a meta package that only expands. Ok. Currently, two meta package, shell et ARM64 pour les binaires ARM64, d'accord. Layering strategy, machin. Ok, ouais. S'en fout. Ouais, d'accord, c'est ça aussi qui... Ok, d'accord, contribution. Et dans le code GitHub, il y a peut-être moyen de voir un peu plus, non? La démo, on s'en fout. Comment je fais pour savoir quel type de package sont... Si je retente... Oui, très drôle. Il va tout trouver. C'est GNU SED, d'accord. Ouais, c'est ça. Hop, ouais, c'est pas la peine d'aller au bout. Du coup, hop, shell. GNU SED. Voilà. Et il est déjà 23h. En vrai, bon, ça va être le dernier essai. Si vraiment ça merde. Si ça merde encore. Bon, de toute façon, c'est le dernier là. Là, ça devient compliqué.
toute façon, c'est celui-là que j'attends. Ce qui voudrait dire que je devrais faire une troisième semaine sur ce truc-là, alors que c'est... C'était pas censé être aussi chiant. Enfin, je le voyais pas aussi chiant, en tout cas. Ça, c'est... compliqué. Est-ce que j'avais une idée de... Non, je suis peut-être même pas là la semaine prochaine, donc en fait, c'est pas encore garanti qu'il y ait un épisode. Ça, je vais me garder ça dans un coin, parce qu'à partir du moment où je l'utilise, le truc... Hop. Hop, hop, hop. On va fermer tout ça. Fermer tout ça. Hop. Hop. Ah, il est toujours sur Kaniko pour l'instant. Ah non, ça y est. Là, il passe à la suite. Il passe à la suite. Le truc dit running, mais les... ce qui est bizarre, c'est que le... J'arrive pas à voir les logs. C'est ouf. Ok, d'accord. Z-I, machin... Et... Non mais il est sérieux, il me remet la même erreur alors qu'en local je l'avais pas. Mais... Attendez, j'avais pas... Oh la vache! Mais pourtant, je croyais l'avoir recopié comme il faut depuis ma ligne de commande, moi, cette histoire-là, avec les anti-slash. Je me suis gouré de... De copier-coller, du coup, putain. Ah non, parce qu'à un moment donné, je les ai virés, parce que je me suis dit, comme j'ai changé de caractère, là, j'avais mis des virgules au lieu des... Oh là là. Je vais me buter. Hein. J'en peux plus. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, un jour il va falloir que je comprenne où j'ai merdé mes trucs. Ça va être long. J'ai trouvé le moyen d'oublier ma bouteille de flotte. Bon, 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 bon. Oh, puis alors, comme on est basé sur Debian, ça prend 4 plombes en plus.
En vrai, s'il y a moyen de le configurer du cache à Canico, un jour je vais le faire, hein, parce que franchement, c'est pénible. Oui, non, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Ouais, je sais pas pourquoi. Comportement d'arrêt peut être configuré dans les paramètres de... Ouais, mais c'est pas la première fois que je ferme des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi tu m'emmerdes. Ok. Du coup, là, il devrait pas tarder à changer le... changer l'image. Kenny, bonsoir. Premier message, question con, drone, ça pompe quoi en ressources? Alors, bonne question. Actuellement, oh merde, il a... Oh putain, non, il l'a mis à jour. Mais j'ai pas le contenu de la variable, ça c'est la merde. Ok. Donc j'ai un truc qui est pas passé là. Ouh! Bon, bah je vais quand même sur une... je vais quand même me coucher sur une demi-victoire, dis donc. Pour ta question, oui, alors, le... mon drone, il est là, actuellement. Alors, j'ai pas encore de graphe à te montrer parce que j'ai pas de monitoring pour l'instant sur le cluster, mais un jour, il faudra que j'en fasse. Mais grosso modo, voilà, le... Tu vois, le drone, il consomme actuellement, enfin, le serveur, il consomme actuellement 18 mégas de mémoire. Après, j'ai quasiment rien dedans, hein, donc voilà. Le runner, il consomme à peu près la même chose. Et après, en fait, c'est au niveau de, c'est au niveau du pod qui démarre. Ouais, je comprends. Bah, le choix de drone, je l'ai fait parce que c'est ultra léger, en fait. C'était ultra, c'était prévu comme étant ultra léger. Là, faut, on ne faut, on est sur du Raspi 4. On est sur du Raspi 4, donc sur du ARM en plus. Et là, il consomme. Alors le 1, c'est 1 millicore. Autant dire qu'il se passe pas grand-chose. 1 millicore avec 18 mégas de RAM. Donc il est au minimum de chez minimum en fait. Hein. Le runner, il est à peu près pareil. Ça a l'air ultra light. Alors après, maintenant que c'est fait, tiens, regarde, on va faire exprès. Je vais restart le truc pour essayer de voir un peu. Parce qu'après, le runner, il démarre directement un pod avec des conteneurs pour toute le, toutes les tâches de ton truc. Et là, je sais pas pourquoi il me fait des restarts comme ça à la one again. Ou alors il compte un restart. À chaque... Ah, il fait un restart à chaque fois qu'il change le contenu d'un code d'un conteneur. Ok, je comprends mieux. C'est dégueulasse. Mais du coup, est-ce qu'il a le temps de prendre les... Est-ce qu'il a le temps de prendre les ressources là du pod? Non, même pas, j'ai pas l'impression. Il a l'air de galérer. Ah si, ça y est. Ah, là, c'est un peu plus énervé quand même. 54 mégas. Et 180 millicores pour faire un build de... Il en est où là? Ouais, c'est ça, il est en train de. Il est en train de dépaquer les trucs, quoi. Comparativement, une instant. Oh non, non, mais GitLab. Non, mais. Faut pas comparer une Dacia Sandero et un Charles Leclerc. Ça ne sert à rien. C'est. Bah oui, j'avais essayé. J'avais essayé GitLab à une époque. Sur le micro-serveur avec mon Pentium J4205. Donc c'est du 4 CPU, et à l'époque, je crois que j'avais un truc comme... J'étais resté à 8 Go de RAM ou j'étais déjà à 16? Je m'en sers tellement pas que je me souviens même plus... Combien il a le gaillard? J'ai dû lui mettre 16 Go quand même... Ah merde, oui. Je vais paramétrer ça. Je suis à 8 Go de RAM. Ok. Donc à l'époque, j'avais installé
J'avais tenté d'installer GitLab là-dessus. Alors non, je ne l'avais pas installé sur la totalité, je l'avais installé dans une VM où je lui avais donné 4 Go de RAM. À vide, les 4 Go de RAM étaient blindés, même en essayant de descendre le nombre de process Sidekick, et le CPU, il était à blinde tout le temps, et donc tout était lent du cul. C'était juste pas possible. J'ai eu le même tour la fois où j'ai testé Jenkins. J'avais dû relancer les installations de plugins à la main parce qu'il n'y avait tellement pas de puissance au niveau du CPU que ça me crachait des timeouts pendant l'installation de Jenkins. Donc, non, c'est le genre d'outil, voilà. Quand tu fais juste du petit bricolage avec du Git et que t'as pas envie de t'emmerder non plus et que derrière tu fais juste du Git et du pipeline, c'est pour ça que j'ai laissé tomber le GitLab parce que c'est vraiment beaucoup trop lourd. Et en plus, Gitty maintenant, avec les nouvelles versions de plus en plus, là j'ai décidé de partir sur drone. L'épisode va être hyper long, je suis en plus. Comment? Les dernières versions de Gitty, elles embarquent de plus en plus de trucs, c'est-à-dire que tu as le Gitty Actions maintenant, qui est calqué sur la syntaxe de GitHub Action. Donc ça, c'est depuis stable sur le 1.20, et donc là, moi, je suis sur le 1.21. Ouais, maintenant, c'est ça, tu as la propre CI de... comment? Et donc un truc qui s'appelle ACT Runner, donc c'est basé sur un fork d'un truc qui existait déjà, manifestement. Donc ça c'est le runner. Mais donc la syntaxe elle est censée être grandement compatible avec GitHub Action, et il y a même des GitHub Action qui sont réutilisables, as is ou presque. J'ai pas eu l'occasion de tester ça, pour être honnête. J'ai pas eu l'occasion de le tester. En vrai, ce serait un truc à faire dans le futur, hein, je pense. Hein, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais utilisé les GitHub Actions non plus. Donc, je sais même pas exactement comment ça fonctionne. Un jour, je testerai vraiment, mais c'est pas là. Je pense pas que ce soit la peine de le tester en live, encore que si vraiment ça peut intéresser les gens. Et donc, en vrai, si tu utilises ça, là, le stockage des images, bah, c'est pareil. Maintenant, dans Gitty, t'as un artifact registry qui est embarqué. T'as un package registry. Et donc moi je stocke les images de conteneurs dedans. Donc avant j'avais déployé à la ZUB un registry V2. J'avais déployé à la ZUB un registry V2 et maintenant j'ai viré le registry V2 et je me sers de ça. C'est pour ça qu'en fait là, tous les tests que j'ai faits de build d'image, en fait, ils sont là. Ils sont là. Et en fait, bon là pour l'instant, par défaut, en fait, tu pousses tu pousses à la racine de l'utilisateur en fait de l'espace. Et après, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Après, tu peux déplacer le truc pour le rattacher à un repository. Bon là, a priori, alors moi, j'ai pas le droit de le faire parce que c'est pas mon utilisateur. Donc bon, pour l'instant, je le laisse comme ça dans la racine package et puis ça me va très bien pour ce que je fais. Après, il faut comprendre que honnêtement, quand t'es tout seul dans ton coin, soit t'es un gros flemmard et tu fais tout avec GitHub, soit tu veux vraiment héberger chez toi pour garder les trucs un peu privés chez les puristes, Gitty, c'est un truc à éviter maintenant, parce qu'en fait, il est contrôlé par une entreprise qui a l'air d'avoir fait des trucs un peu bizarres, notamment avec la marque, etc. Et donc, du coup, il y a eu un... Il y a eu un fork qui a été fait, qui s'appelle Forge... Alors, je sais même plus comment ça se prononce, Forgeo, je crois. Au départ, c'était censé être un comment? Un
un soft fork, mais voilà, c'est en fait maintenant, voilà, il parle de démocratique décision, voilà. Donc, et maintenant, et ce truc-là est du coup géré par, donc c'est EV, donc c'est une, ça doit, je crois que c'est l'équivalent des associations loi 1901 en Allemagne. Donc voilà. Donc si t'es vraiment en mode, si t'es vraiment en mode extrémiste, tu peux partir là-dessus, ça marchera pareil que Gitti. Et c'est pareil, drone, c'est le même délire, c'est que il y a une entreprise qui s'appelle Arnes qui pilote le truc maintenant, et du coup il y en a qui ont cloné ça, et c'est pareil, ils ont forqué aussi, et j'ai zappé le nom. Drone CI Or. Woodpecker, voilà. Donc sur le même délire, hein, parce que. Mais alors là, par contre, je crois qu'ils ont revu l'interface du truc. Ils sont allés beaucoup plus loin que. All-in-one. Bah alors il faut quand même que tu déploies le runner à côté. Je sais plus s'il est embarqué dans l'image d'origine en mode self-contained ou s'il faut le déployer à côté. Mais si on dit ça, quick start, setup Gitti. Alors déjà il faut activer la fonction. Elle est pas activée par défaut, je crois, un truc comme ça. Ah si, pardon. Depuis 1.21, c'est activé par défaut. Ok, voilà. Ensuite voilà, il faut déployer le runner quand même à côté. Et il faut l'enregistrer. Bon, ça c'est pas si méchant que ça. Potentiellement, de la même façon que tu as du chart n pour déployer Gitti, tu dois avoir du chart n pour déployer le runner. Je suis à peu près sûr que ça se fait. Ensuite, après, il faut s'assurer que ce soit activé dans le dépôt sur lequel tu veux bosser, et après, tu peux bosser sur le. Tu peux créer ton. Tu crées ton pipeline dans .gitti/workflow, et puis voilà. Alors par contre, il nous dit quoi? C'est quoi ça? Be careful, demo file contain some emojis. Oui, bon. Évidemment, faire des bêtises comme ça. Non, mais c'est bon à savoir par contre, parce que moi je suis encore sur le SQLite pour la base de données de Gitti, donc je risque d'avoir des surprises si jamais il essaye de m'injecter des conneries dedans. Donc voilà, donc c'est. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment le truc le plus straightforward, mais c'est là où tu as besoin de 4 CPU, 16 Go de RAM, juste pour l'hébergement du code et toute l'orchestration derrière de toutes les fonctionnalités qui sont à côté. Là, ce truc-là, il consomme quasiment rien, enfin même le Gitti, si je vais revoir vite fait. Pouf pouf. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai le raccourci. Le Gitti, il consomme 180 mégas de RAM. Il n'y a qu'un utilisateur connecté. Il y a juste la connexion après avec le drone qui tape un peu sur l'API à intervalles réguliers. Et ça casse pas trois pattes à un canard. Donc après la consommation CPU, elle doit monter dès que je dois pousser une image ou quoi que ce soit, parce qu'il doit faire toute la mise à jour des infos. Faut pas oublier en plus que moi le volume persistant, il est sur du NFS, donc on n'est pas sur le plus performant qui soit. Et la base de données, c'est du SQLite, donc voilà, c'est pareil, on n'est pas sur un truc ultra ultra puissant. Mais voilà, ça.
ça fait son office et ça le fait en consommant infiniment moins que tous ces outils-là. Donc, mais quand. Alors là, je pense dans les prochaines étapes, ce week-end, avec un peu de chance, je vais attaquer les migrations de volume de Kubernetes sur le nouveau NAS, parce que je vais bientôt avoir fini de transférer tout ce que j'ai besoin de transférer. Encore qu'il faut que je reparamètre les backups. Mais. Et après, une fois que c'est fait, faut que je me repenche sur le monitoring parce que j'ai un. J'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même sur le monitoring, c'est chiant. J'ai pas envie de l'avoir stocké dans Kubernetes, mais j'ai pas d'environnement ultra propre que je peux garder en permanence dans lequel je pourrais externaliser les données du Prometheus. Pour pouvoir les consulter même si le cluster est par terre. C'est un petit peu chiant. Et il faudra que je me penche aussi sur les logs. Et ça, par contre, pour le coup, j'ai une petite idée. Je me garde un article de côté où les mecs, ils expliquent comment stocker les logs dans Minayo. Et ça tombe bien parce que je veux déployer Minayo sur mon NAS. Donc, parce que je sais pas si tu étais là en début de live. J'en ai parlé en préambule. Il y a encore du bon bricolage qui arrive avec ça. Donc voilà, bon ben fait chier ce bug de pour le coup il m'a pas il a réussi à le prendre dans le comment dans le paramètre là. Mais il me l'a pas pris là. Ça c'est chiant. Si je retourne là. Le update k8s manifeste, le tag, il me l'a pas mis. Il m'a bien remplacé la ligne git machin, mais il m'a pas mis le tag. Ah oui, pas parce que en fait il l'a pas mis là en fait. Ouais, c'est ça, il l'a pas interprété. Ou il l'a interprété, mais il l'a mis vide. Oh merde, ça c'est con ça. J'ai pas fait d'erreur pourtant. Non, bah non, c'est la bonne. Or. Or. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben, bon, bah tant pis. Que je le mets global, donc normalement il est censé être dispo partout, mais ça tout à l'heure ça marchait en ligne de commande. Ou alors c'est au moment où il me convertit ça que le updated tag il est pété et du coup il sait pas le reprendre. Ouais, bon bah ça fait déjà 2h30. On va s'arrêter là pour ce soir. Une demi-victoire, un demi-échec, je sais pas comment je le prends. Alors, arrivé il n'y a pas longtemps, Minayo pour du stockage de backup avec Borg en plus du backup de VM de Proxmox PBS. Ben, ça dépend si ton PBS, tu le sais, enfin, si tes données de PBS sont pas au même endroit que ton Borg backup, pas forcément, parce que du coup, ça te fait deux backups qui sont sur deux stockages différents. Après, si tout est stocké physiquement sur les mêmes bécanes, bon, c'est un peu con, mais ça limite l'intérêt, mais si physiquement c'est séparé, voire même géographiquement séparé, non, il n'y a pas de. C'est pas too much, j'ai envie de dire.
Après, dans la pratique, techniquement, tu peux extraire des fichiers unitaires de d'une sauvegarde de VM de. Enfin, PBS, c'est extraire une. Comment? Tu peux, t'as pas besoin de restaurer une VM complète, tu peux restaurer que des fichiers, ce que tu peux faire avec Borg, et tu peux restaurer des fichiers partiels avec PBS. Il fait une bidouille où il va monter le volume de son côté pour aller fouiller dedans et extraire les fichiers. Donc, non, moi, Minayo, quoique Minayo, ça a servi à l'époque où j'utilisais Longhorn, enfin où j'ai tenté d'utiliser Longhorn pour stocker les backups de Longhorn dans Minayo. Je m'en sers pour les TF State et qu'est-ce que j'ai tenté d'utiliser aussi? Ouais, je l'ai désactivé parce que c'était à moitié pété, mais la synchro des. Comment? Ouais. Mais en vrai, ça, le PBS, il te suffit, je pense, hein. Honnêtement, le PBS, c'est suffisant. Après, c'est bon de savoir que Borg Minayo, ça fonctionne, hein. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, le Minayo, il m'a servi pour tenter de synchroniser les données de Joplin entre l'ordi et le téléphone. Sauf que ça a merdé à un moment donné, j'ai pas compris ce qu'il m'a fait et il me craquait une erreur. Du coup, en fait, j'avais la note qui était pas créée complètement, qui était créée, mais pas le contenu. Enfin, c'était un peu chelou. J'ai fait sauter ça, et puis en vrai, il faudrait que je reparte de zéro pour tout synchroniser. Mais comme je vais le refaire, voilà, j'attendrai d'avoir le nouveau. Bon, sur ce, c'est pas tout ça, mais j'étais réveillé à 5h ce matin, donc je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, vu comment je suis occupé demain matin, le replay ce sera peut-être que soit demain après-midi, soit dimanche, dans le meilleur des cas, je pense, sur YouTube. Pitié, non, c'est ça. Et du coup, pareil, je vais pas garantir tout de suite. Alors, soit j'arrive à continuer là-dessus la semaine prochaine. Enfin. Pour le prochain live, on va dire comme ça. Soit je continue là-dessus, soit j'ai un autre truc qui me tombe et qui m'intéresse un peu plus et je ferai à la place, histoire de varier un peu les plaisirs. Mais je suis peut-être pas là. Je confirme, je suis peut-être pas là, donc du coup, il n'y aura peut-être pas vendredi prochain. Soit j'arrive à faire plus tôt dans la semaine, ce qui est très rare, parce qu'en plus, maintenant que je dois retourner, enfin, je dois aller deux fois par semaine au moins au bureau, donc ce qui me laisse que 3 autres jours, mais pas forcément, du coup pas forcément le temps de pouvoir faire ça dans la semaine. Comment? Donc à voir, ce sera pas le week-end, parce que si c'est pas vendredi soir, c'est pas tout le week-end, parce que je suis pas chez moi. Voilà, puis après comme d'habitude, hein, s'il y en a qui ont des suggestions qui me saucent suffisamment pour que je me lance dedans et que j'en fasse une découverte en live. Je suis preneur. Alors, hop, on va fermer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci d'avoir été présent et d'avoir participé. Comme je le dis, c'est tout le but de le faire en live, c'est d'avoir un minimum d'interaction et c'est toujours intéressant. Donc on se retrouve. Plus tard sur les internets. Bonne nuit!